spot walk, c'est en fait un mouvement de mime, c'est-à-dire qu'on va faire semblant d'avancer mais en restant sur place. D'accord? Donc vous allez voir qu'il y a plusieurs façons d'avancer et de rester sur place. Alors le mouvement, le voilà, le mouvement de base, le voilà. En fait, on fait comme si on allait s'essuyer les pieds. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a un paillasson et qu'on s'essuie les pieds. D'accord? C'est le moyen le plus facile pour apprendre. Donc là, vous voyez, si je fais semblant de m'essuyer les pieds, je donne déjà un effet. D'accord? Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur la pointe et en revenant, le pied ne va pas toucher le sol. Vous voyez? Mon pied va raser le sol. Donc je mets la pointe, pied gauche qui suit le sol, je mets la pointe gauche, le pied droit qui frotte. Voilà. Et avec les bras, vous voyez, on va faire comme si on avançait. D'accord? Il faut vraiment que tu fasses comme si tu allais marcher. D'accord? Alors il y a la façon un petit peu Jackson qui est légèrement différente, c'est la même, mais il y a une deuxième méthode. C'est qu'il va lancer le pied, celui-là va partir, il va revenir aussitôt. Il va glisser, il va lancer le pied. Quand le pied gauche se pose, le pied droit s'en va. D'accord ? 1, 2, 3. Et on glisse. 1, 2, 3. Vous voyez ? 1, 2, je vais poser mon pied gauche. Le pied droit va revenir. Et voilà donc ce que ça donne en gros plan. Voilà donc l'exercice. N'oubliez pas, un coup de pied, on pose la pointe. En posant la pointe, le pied droit s'en va. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, et on verra. Et n'oubliez pas qu'on appuie bien sur la pointe des pieds pour bien donner l'impression d'avancer, vous voyez ?